festival de Toulouse, de la mixité festicouleur, au Hall 8, parc des expositions exactement. Nous sommes dans les coulisses avec cette magnifique troupe de danse que vous venez de voir, danse de percussion africaine, avec un des profs de danse qui s'appelle Keïta. Bala Keïta. Et toutes ces danseuses là font partie de l'association Culture Domino. Il va nous en dire un peu plus. Okay. Donc, Bala Keïta, hein? Enchanté. Enchanté. Donc l'association est née en, depuis 88 à Toulouse. C'est une association de danse africaine. Donc quand je dis domino, c'est l'échange entre l'Afrique et l'Europe. Donc c'est domino, c'est dans ce sens-là. Culture entre échange culturel entre la culture et le mélange. Donc je l'ai appelé domino parce que bon, c'est un échange entre l'Afrique et l'Europe, quoi. Voilà. Il faut dire qu'on a vu des danseuses incroyables sur scène qui ne sont pas justement de cette culture de danse, mais qui l'ont très bien intégrée. Comment ça se passe, les cours? Les cours se passent tous les jours, hein, dans différents endroits de Toulouse, dans différents quartiers. Et donc, c'est des groupes qui s'entraînent une fois par semaine, qui répètent, qui travaillent sur plusieurs styles de danse africaine, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, un peu de la Côte d'Ivoire. Bon, on voyage un peu en Afrique, quoi. Voilà. Est-ce que c'est difficile justement l'acquisition des pas pour certaines ou alors finalement votre technique marche simplement? Notre technique, bon, c'est vrai que j'ai fait une école de danse quand même, l'école de Maurice Béjart, Moudra Afrique qui était à Dakar. Et ce qui fait que bon, on a fait du classique, du moderne, du jazz, du jeu théâtral, de l'improvisation. Bon, on part de la base traditionnelle africaine, mais on le décompose en utilisant le moderne et la danse classique, si vous voulez. Bon, et donc on l'appelle maintenant afro contemporaine, quoi. Voilà, on va dire. Alors, carrément, j'ai envie de dire. Un peu partout au-delà de Toulouse avec cette troupe où vous êtes surtout cantonné ici? Tout à fait. Bon, de temps en temps, on bouge, on va vers Limoges, on va aussi vers Figeac dans le Lot. Bon, de temps en temps, mais on travaille beaucoup dans le tour de Toulouse, dans les quartiers et puis aussi un peu dans les villages par là, quoi. Voilà. L'association a un lieu où on peut venir vous contacter, pour ceux qui souhaitent prendre des cours ou tout simplement pour des spectacles. Ouais. On est dans, là, c'est MJC Croix d'Orade. Voilà, c'est à la MJC de Croix d'Orade. Si vous vous renseignez, voilà, il y a les répétitions tous les jeudis à partir de 19h. Vous prenez les débutants C'est ouvert à tout le monde. Les enfants, les ados, les adultes, tout le monde. Quoi, voilà. Cousu ces magnifiques tenues que j'ai vues sur scène. C'est un couturier sénégalais qui s'appelle Modou, voilà, et donc qui est venu voir le cours et qui nous a proposé ces jolis costumes. Voilà. Franchement, vous étiez nickel tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je pense qu'on viendra faire un tour du côté de Croix d'Orade. Merci beaucoup et voilà, donc j'espère que ça a plu et que voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Paï. Merci. Bon, bien, nous continuons dans les coulisses. Bientôt le défilé de mode, Body Events, donc restez connectés.